Beaucoup de tension, c'est normal, hein. Je pense qu'on avait beaucoup d'appréhension. Le groupe avait envie de montrer beaucoup de choses et il fallait se canaliser pour faire une bonne entame de match. Donc ça a été assez dur pour ceux qui ont commencé. Rassuré, oui et non. Maintenant, il faudra voilà, confirmer la semaine prochaine. Déjà, où on est rassuré, c'est qu'on voilà, a su remarquer, reprendre confiance. On a tenté des choses, même s'il y a eu pas mal de déchets quand même, qu'il va falloir gommer pour la semaine prochaine parce que voilà, sinon ça passera pas face à cette équipe d'Irlande. Mais sinon, il y a du positif, il y a de l'envie et de l'enthousiasme dans tout ce qu'on a fait. Donc c'est ça qui est très important ce soir. Après, il y a eu quand même des bonnes choses, même si ces coups, on doit les terminer beaucoup plus vite. Un peu plus sur un ou deux temps de jeu, mais on doit les finir en tout cas. Pas mal de changements, pas de pression particulière. Essayer de jouer juste, faire jouer les autres, essayer de remonter le plus de ballons possible, de rendre le moins de ballons à ces Écossais. Voilà, après je suis passé au centre, voilà, beaucoup de changements, mais heureux d'avoir retrouvé la victoire et de sortir avec beaucoup plus de certitude de la dernière fois. On a trop subi par moments. On a vraiment subi en défense, alors qu'en première mi-temps, on a réussi à les mettre en difficulté et à marquer ce premier essai, justement, grâce à une défense agressive. Il va falloir revoir cette défense. C'est un...